Suite de notre feuilleton consacré cette semaine à Brian Joubert, qui participe, vous le savez, au championnat du monde de patinage artistique à Los Angeles. Après le titre de champion d'Europe décroché à Helsinki, le Poitevin est rentré à Poitiers. Freddy Veto, Julien Delage et Stéphane Bourin ont suivi ses derniers préparatifs avant son départ pour les États-Unis. À la patinoire de Poitiers, Brian Joubert vient en voiture. Jamais en footing, il n'aime pas ça. Son physique, il le travaille seulement sur la glace, en répétant ses programmes. Pas question d'arriver au championnat du monde de Los Angeles, à court de forme comme à Helsinki. En 2 mois, le champion d'Europe a revu son programme libre avec son chorégraphe Jan Jenkins. Je te trouve pas équilibré du tout là. Travailler ses pirouettes avec une spécialiste suisse, Lucinda Rue. Plus souple pour pouvoir vraiment aller après sur les pointes l'une après l'autre. Répéter l'ensemble avec son entraîneur Jean-Christophe Simon. Le résultat est concluant. Dès l'instant où la forme est meilleure, la condition physique est meilleure, ça permet d'avoir plusieurs stratégies possibles quant au contenu, déjà. Et ça, c'est le plus important. Donc les pirouettes ont été retravaillées, la condition physique est meilleure. Le programme libre, il commence à être bien rodé, parce que c'est vrai que même s'il a été patiné qu'une fois en compétition, je crois que c'est un programme qui maintenant est bien entré dans les mœurs. Aux États-Unis, Brian Joubert entraînera une nouvelle paire de patins, affûtés avant son départ par l'ancien champion du monde français, Alain Giletti. Un rituel depuis 2002, loin d'être de la superstition. Pour Brian, je pense que j'ai jamais connu un patineur qui a autant de sensations au point de vue précision. C'est-à-dire que la moindre des choses qui n'est pas pareille, il le sent tout de suite. Donc, d'un côté, c'est bien, mais c'est difficile à faire. Voilà. C'est bon ? Si ça va pas, c'est de ta faute. Brian, dans quel état d'esprit vous êtes ? Assez serein dans le sens où les entraînements se sont bien passés depuis les championnats d'Europe. Avec Jean-Christophe, on a fourni un gros travail, un bon travail. Donc... ça met en confiance et j'ai vraiment hâte d'y être. Quoi. Avant d'y être, Brian Joubert assiste à la démonstration des basketteurs américains de Poitiers face à Antibes. À Los Angeles, les rôles seront inversés. Les Américains regarderont le Français évoluer dans une autre salle de basket. Suite demain avec les premiers entraînements du Poitevin sur la glace américaine à quelques heures de son programme court. On passe maintenant à l'actualité du jour.